Pour moi. Alors voici maintenant le numéro 4 qui arrive. Ah bah tiens, le numéro 4, il s'agit d'un poulain né le 29 mars, donc beaucoup plus âgé. Enfin, beaucoup plus. Mais à cette époque-là d'année, ça compte beaucoup, bien sûr, d'avoir 2 ou 3 mois de plus. Né donc le 29 mars, c'est bien. Il s'agit d'un fils d'Estéro. Alors c'est marrant parce que juste avant on avait un fils de Tunis et lui-même un sujet de Estéro. Donc, il a débuté sa carrière des canons en Pologne. Un grand pays d'élevage, un fort méconnu, mais il a découvert en quelque sorte par Guillaume Macaire qui a été chercher le mot. Un grand pays d'élevage, la Pologne, qui a survécu à l'époque communiste tant que ça peut. La mère tous irlandaise et par nickname, un étalon qu'on regrette beaucoup, hein, qui a vraiment beaucoup marqué malgré le fait qu'il soit mort très précocement, nickname. La mère tous irlandaise a gagné, elle a gagné à Angers, donc c'est l'église irlandaise de la France, et troisième aussi à la Pierre-Fontaine. Alors c'est une souche, c'est une souche mixte, parce que sous la traite de terre, un choc de Winchester qui a gagné les Secretariat States au Canada, c'est une épreuve pour les 3 ans, un groupe 1. Mais aussi Cap Dream, le fameux Cap Dream, vainqueur du prix Carmartel et du prix Fondeur que j'ai utilisé dans un crack, il était un crack chez eux, voilà. Voilà, c'est la souche basse de Cap Dream.